Le vice-président de la République s'est rendu ce matin au complexe à Vorbam pour assister à la levée des couleurs suivie d'une remise d'équipement aux responsables de cet établissement scolaire en présence de Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Un autre de marque au complexe scolaire d'Avorbam, le vice-président de la République, Joseph Owondober, débarque dans cet établissement. À ses côtés, Camélien Tuntum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale. La deuxième figure de la République préside la levée des couleurs. Puis cette visite du vice-président de la République dans les laboratoires et salles d'informatique, des outils numériques et des plateaux sportifs, fruit de la mise en exergue du PIS, projet d'investissement dans le secteur éducatif. Votre visite traduit la preuve de la volonté des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le général de brigade Brice Clotaire-Oligui Nguema, à revaloriser les symboles de la République en général et l'hymne national en particulier. Le rétablissement de la bourse et la gratuité des inscriptions dans les établissements reconnus d'utilité publique trouvent l'assentiment des apprenants. Nous vous remercions infiniment pour l'attention et l'intérêt que vous avez bien voulu porter au profit des élèves. S'en est suivi cette remise d'équipement multimédia aux responsables de cet établissement. Le Gabon, digne d'envie, passe indéniablement par une jeunesse bien formée. Monter les couleurs et les descendre, chanter l'hymne national, participe justement de l'éducation, la formation des enfants sur le problème des valeurs de la République. Ça, c'est très important. J'ai visité les laboratoires. Le lycée est correctement équipé. Je crois qu'il est à même de répondre à la préoccupation du chef de l'État, qui, comme vous le remarquez, consacre beaucoup de temps à la jeunesse, à les mettre à l'aise.